on ne va pas lâcher. Moi, j'ai travaillé dur pour avoir ces économies. 5 ans. Et maintenant, pour aider mes enfants, on m'escroque, on dit que mon Mapakou. Non, l'État gabonais est responsable parce qu'il avait donné les papiers à un récidiviste, à un repris de justice. Donc, il est responsable. On a vu Bérassal défiler le 17 août. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables. Parce que si Bérassal marchait dans les formels, fonctionnait dans les formels, il ne devait pas défiler le 17 août. Moi, j'ai travaillé dur. On a agressé Daniel Cousin. Je suis allé là-bas. Et tant qu'agent de sécurité, j'ai gardé le ministre Mathias Otunga. J'ai gardé sa famille. J'ai gardé Madame Ida Retenon. En tant que ministre, j'étais son garde. Chaque jour, j'étais derrière elle. Je suis venu au Gabon. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Et je n'ai jamais fait la prison chez moi. Je suis venu travailler honnêtement. Et j'ai gagné mon argent. Je m'apprêtais à repartir chez moi en RDC pour aider ma famille, mes enfants. Mais aujourd'hui, on me prend tout. On prétend dire que Mapakou a pris. Mapakou n'a pas pris parce que nous savons bien que dans les banques gabonaises, on ne peut jamais avoir des milliards et ils sont volés. Jamais. Nous savons bien que c'est l'État. C'est l'arnaque organisée. C'est l'arnaque organisée. Et nous disons que nous sommes prêts. Nous nous sommes prêts, on ne va pas lâcher. Vaut mieux qu'on puisse ôter nos vies. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Même s'ils envoient tous ces policiers nous bombarder, il n'y a rien. Je suis Congolais, vous n'avez qu'à aller chez l'ambassadeur, lui demander qu'il y ait un Congolais qui fout la merde. On va m'appeler. Moi, je suis fatigué, j'ai besoin de la mort. Je suis fatigué.